toutes les machines avec excentrique. Vas-y, continue, qu'on voit comment ça marche. Là, on lève une plaque. Le truc, il bascule. Vas-y, tire un coup. Tire, tire. On tire, le pot, il a 45 degrés, il bascule à 90. Et donc, au lieu d'avoir la moitié de la charge sur le retour, comme à l'aller, eh ben, on a deux fois plus de poids sur le retour. Donc, en négatif qu'en positif. Mais je trouve que c'est pas encore très très au point comme machine. Donc là on voit la bascule. La moitié du poids et quand on baisse... Non, t'as raté là. C'est pas évident de l'avoir à tous les coups, là il bascule. Bah alors, tu te débrouilles comment là? C'est bizarre hein. Bah t'y arrives pas surtout hein. Attends, je recommence. Ouais, vas-y, recommence. On monte avec le poids à 45 degrés. Le poids il bascule et on descend avec 100% de la charge. Bascule, 45 degrés. Mais c'est pas évident, on peut louper des reps. C'est tout un coup à prendre. Et donc en réalité on se concentre sur la bascule et pas sur ses muscles. Le mouvement est tout à réapprendre et c'est ce que je reproche beaucoup à ces machines. Voilà, là on change l'écartement de la machine. Donc on voit la bascule. Vas-y, tire. Tire. Ah bah il y a une plaque là.